Eh bien, c'est deux amis, c'est Archie, comment ça va? Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous montrer comment débloquer le pack Iron Man 0 gratuitement sans dépenser un seul V-Buck. Vous allez voir, vous avez des nouvelles récompenses en boutique qui sont disponibles et le pack Iron Man 0 est disponible, mais il faut savoir exactement quoi faire pour pouvoir le récupérer et l'avoir aussi peu cher. C'est littéralement gratuit, donc c'est même pas cher du tout, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas en tout cas, avant toute chose, de vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne plus rater aucune vidéo et vous suivre les prochains tutos, guides qui vont arriver sur cette chaîne YouTube. Vous avez aussi en descendant ma chaîne Twitch, mon compte Twitter, mon compte Instagram, c'est pas à les suivre pour booster un max de ma chaîne en live. On joue ensemble, n'hésitez pas à venir nous rejoindre et surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube. Donc les amis, comme dit, je vais vous montrer exactement comment avoir le fameux pack Iron Man 0 de manière gratuite et vous avez des récompenses en fait simplement gratuites grâce à ce pack là. Donc ici, nous on va se diriger tout simplement dès maintenant dans la boutique. Donc vous voyez qu'ici on a pas mal de récompenses et on a pour encore le dernier jour normalement ce soir, enfin aujourd'hui c'est le dernier jour. Ce soir à 1h du matin, la boutique va se reroll et on n'aura donc plus les récompenses Marvel. Elles le sont depuis déjà hier, donc c'est quand même, ça fait 2 jours qu'on a Marvel, donc logiquement dès ce soir tous les packs vont totalement disparaître et on n'aura plus Marvel. Donc c'est vrai qu'aussi je vous montre ça pour que vous puissiez récupérer les récompenses avant qu'il ne soit trop tard. Je vous ai déjà parlé de Spider-Man pour avoir le pack Spider-Man pas cher voire gratuit également. Maintenant on a la possibilité d'avoir celui de Iron Man 0 cette fois-ci de manière gratuite également. Donc comment on sait? Regardez ici, moi je possède tout le pack alors que je n'ai déboursé aucun V-Bucks ni pas. Donc je vais vous montrer exactement comment j'ai fait. Alors déjà on va ouvrir le pack et vous voyez qu'il est disponible uniquement en pack Marvel et on a ici donc le skin, donc de le skin ici d'Iron Man 0. On a ici l'accessoire de dos, on a donc la pioche, on a le revêtement également ici, on a l'émote et on a l'écran de chargement aussi. Je suis passé un petit peu à côté, mais on a également l'émote, l'écran de chargement également ici. Donc vous voyez qu'on a un pack complet ici et vous voyez que moi je le possède déjà alors que je n'ai pas dépensé un seul V-Bug dedans et on ne l'a pas offert, ne vous inquiétez pas non plus. Donc comment on va faire pour avoir ce pack là et des récompenses gratuites? Alors tout d'abord, donc vous voyez que on a un pack complet avec beaucoup d'items dedans, donc on a vraiment pas mal de récompenses. On a 2, 4, 6 récompenses dans ce pack là et en fait le pack est à récupérer gratuitement. Mais pour le récupérer gratuitement, en fait ce n'est pas tout le pack qui est gratuit. Vous avez pu avoir la possibilité grâce aux comics d'avoir le skin, l'accessoire de dos, la pioche, le revêtement et l'émote gratuitement grâce en fait aux comics, donc ou aux comics Fortnite X Marvel Zero War. Vous aviez à chaque fois des skins et des récompenses gratuites à chaque comics acheté. Moi j'avais, comme j'avais parlé il y a quelques temps déjà, la réduction où on avait Marvel Unlimited pour 1$ et donc ça m'a permis d'avoir toutes les récompenses des comics pour 1$ alors qu'un comics coûte 4-5€ en tout cas. Donc maintenant pour avoir la récompense gratuite, en fait il va falloir tout simplement récupérer donc le skin de Iron Man 0. Donc en fait c'était une récompense bonus, donc pour toutes les personnes qui ont la récompense bonus et qui ont récupéré tous les skins en fait simplement des comics de Marvel. Donc en fait il y avait le skin, donc je vais vous montrer les récompenses qu'il y avait hein, puisque je les ai toutes comme je dis. Donc on avait quoi? On avait le skin Spider-Man 0 qui est juste ici, on avait également en accessoire, on avait la pioche également, donc je me rappelle plus toutes les récompenses exactes, mais on avait la pioche ici, donc des griffes en adamantium. On avait potentiellement également, non on avait pas mal de récompenses, je me rappelle pas de toutes les récompenses qu'on avait, mais en tout cas on avait pas mal de récompenses exclusives à Marvel Unlimited et surtout aux comics Marvel. On avait pas mal de récompenses et la récompense bonus était donc le fameux skin de Iron Man 0. Donc ce fameux skin là on l'a eu gratuit en bonus pour toutes les personnes qui ont eu tous les comics ou pour les personnes qui ont suivi mon tuto quand je vous ai parlé de l'abonnement gratuit voire très peu cher également. Donc maintenant c'est plus disponible, mais en tout cas il fallait récupérer donc le fameux pack ici d'Iron Man 0 et on a pu l'avoir de manière gratuite, donc en code bonus, et vous pouvez toujours l'avoir si vous avez récupéré tous les comics. Donc maintenant tout ça on l'a eu directement. Maintenant en fait la dernière récompense que l'on n'avait pas, c'est l'écran de chargement. En fait l'écran de chargement n'a pas été donné dans le pack, mais il est quand même récupérable directement dans la boutique pour 0 V-Bucks. En fait lorsque vous n'avez pas l'écran de chargement, en fait vous avez un item ici, moi c'est écrit tout possédé parce que je l'ai récupéré, mais quand vous avez le pack et il vous reste ou l'émote, l'écran de chargement n'a pas été récupéré, en fait vous avez une récompense à 0 V-Bucks directement dans la boutique et vous pourrez automatiquement la récupérer directement de votre côté. Donc cette fameuse et ce fameux écran de chargement totalement gratuit sans débourser un seul V-Bucks, et en plus c'est bien écrit hein, en tous les cas c'est bien écrit à 0 V-Bucks qu'on va pouvoir donc récupérer cette fameuse ce fameux écran de chargement. Donc c'est en fait c'est un complément donc de c'est un
complément de récompense via ce pack là, donc le front de la guerre 0, c'est un complément du pack qui avait été donné à toutes les personnes qui avaient donc débloqué toutes les récompenses du côté donc de... Donc du côté, toutes les récompenses du côté de des comics Marvel. Donc la récompense était donc moi le pack, comme je dis, j'ai vraiment absolument rien payé. Les trois quarts ont été donnés gratuitement via donc ces fameuses récompenses. Le skin étant la récompense bonus et l'émote également. Bref, tout était dans un... C'était le pack bonus, on va dire, récompense du côté de des comics Marvel. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe. Hein, dans tous les cas, elles m'ont été données gratuitement. Ou du moins, j'ai pris l'abonnement à 1,99€ pour l'avoir ça. Comme je dis, vous pouvez également toujours avoir ce pack-là gratuitement en récupérant... En fait, tous les comics, il faut absolument tous les récupérer. La section et la catégorie bien de Fortnite X Marvel Zero War, parce que vous savez, pour les personnes qui ont suivi, qu'il y avait également des précédents comics. Là, c'est vraiment uniquement sur les Zero War où vous avez un code bonus dans chaque comic qui vous donne des récompenses bien spécifiques. On en a assez parlé pendant assez de temps pour ne plus en parler, mais en soi, ils sont toujours disponibles, ces fameux codes, pour avoir des skins et des récompenses Marvel gratuitement. Et là, vous pouvez donc, grâce à ces codes-là, grâce à ce bonus pack gratuit pour les personnes qui avaient tous ces codes-là, vous aviez eu le pack bonus qui est le skin Iron Man 0 ici. Et donc maintenant on va pouvoir donc directement récupérer le fameux écran de chargement. On avait tout le pack complet et maintenant on a pu récupérer l'écran de chargement. Je vous rappelle qu'il y a quand même pas mal de skins, hein, vraiment de variantes ici dans ce skin là, et vraiment très très cool. Et donc maintenant on a pu récupérer l'écran de chargement. Il l'a récupéré absolument avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi? Puisque l'écran de chargement est tout ce qui va avec tous les packs Marvel, autant Spider-Man que Iron Man que Thor. Tous les packs Marvel vont bientôt disparaître. Normalement, dès ce soir, ils disparaissent de la boutique. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument les récupérer et récupérer tout simplement la fameuse récompense gratuite qui se trouve dans ce pack-là pour les personnes, évidemment, qui ont récupéré déjà au préalable les récompenses du pack de Iron Man Zero. Si vous ne l'avez pas fait, par contre, attention, le pack coûtera très cher. Il coûtera 2500 V-Bucks, le prix de base du pack. Et il n'y aura pas de réduction puisque il n'y a pas possibilité d'avoir des récompenses à côté. Il y a peut-être une réduction sur le pack. Donc, mais sinon, il coûtera très... Il coûtera le prix d'un pack classique, hein, du côté de Fortnite. Donc je l'ai donné, voilà, à peu près là il coûte 2500, donc je pense pas qu'il y aura de récompense, enfin de réduction sur le pack là. Mais en soi, voilà, si vous aviez le pack de base donc de Iron Man Zero, il vous manque actuellement l'écran de chargement qui est à récupérer donc gratuitement sur Fortnite pour 0 V-Bucks. Donc comme je dis, quand vous allez arriver dans la boutique sur le pack Marvel, pack Iron Man Zero, vous allez voir que finalement ce sera écrit 0 V-Bucks parce qu'il vous manquera un item et il faudra absolument aller récupérer l'écran de chargement qui est juste ici. Et moi maintenant j'ai tout le pack Iron Man en plus donc du skin. J'ai également récupéré l'écran de chargement. Sachez que dès ce soir, normalement, le pack disparaîtra et donc vous ne pourrez plus le récupérer. Il faudra attendre la prochaine fois où tous les packs Marvel reviendront en boutique pour pouvoir les récupérer. Et vu qu'ils viennent d'arriver, ça mettra un petit peu de temps avant qu'ils reviennent. Donc n'hésitez pas à foncer, récupérer ce fameux écran de chargement gratuit dans le pack Marvel et surtout dans le pack Iron Man 0. Les amis, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire pour vous dire ce que vous avez pensé de la vidéo, également à vous abonner pour suivre tout ce qui va arriver prochainement en termes de tutos, d'astuces, de news, énormément de choses en préparation vous arrivez sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à rester connecté en vous abonnant à cette même chaîne. Vous avez aussi en description ma chaîne Twitch, mon compte Twitter, mon compte TikTok. N'hésitez pas à aller suivre tout ça, n'hésitez pas pour me soutenir un maximum. On en live pratiquement tous les soirs, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur la chaîne Twitch bien évidemment. J'espère que ça t'aura plu, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.